côté du labo, 0 à net avec Raphaël Graby. tout à l'heure, on fera le tour du propriétaire de deux téléphones, le Honor View 10, mais aussi le Huawei Mate 10, deux téléphones à l'excellent rapport qualité-prix. Visiblement, Raphaël Gabri viendra tout à l'heure nous faire le... Euh, descriptif de ces deux nouveautés. Voilà, je vous rappelle aussi que euh, nous sommes en direct, donc avec le hashtag 01live sur Twitter et via la page YouTube de 01live et de 01net TV, vous pouvez réagir en temps réel. Merci d'être là, comme chaque jeudi soir. Bienvenue à vous tous et à vous tous. Alors, le son est revenu, me dit-on. C'est bien. Euh, ça tombe bien parce que je voulais vous parler de la question 01Net Orange que voici, que voilà, les amis. Euh, vous le savez, chaque semaine, on vous pose une question et on parle des assistants vocaux cette semaine. Possédez-vous un assistant vocal à la maison Il paraît qu'aux US, ça cartonne. Euh, eh bien, on vous pose la question ici. Voilà. Oui, non, ou alors vous y réfléchissez. Cette question, vous la retrouvez sur 01Net bien sûr. On fera un petit point sur... Euh, les résultats de ce sondage dans quelques minutes. Mais pour débuter, Pierre Fontaine est là. Salut Pierre. Bonjour. De la rédaction de zeronet.com. Est-ce qu'on entend Pierre, les amis Parce que si on ne l'entend pas, voilà, ça marche bien. Non, je peux le mimer. Tu peux parler, il peut mimer. Euh, Pierre, vous le savez, journaliste à ZéroHonnête, spécialisé dans le monde Apple. Et alors, Apple qui euh, annonçait pas mal de choses. Alors, il y a des rumeurs. On va y revenir dans un instant. On Apple. Voilà. C'est ça Ouh ouais, oh, c'est beau, des actuels Apple, 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 Apple. Ouh là là que c'est beau ah, Et on ça. commence par le homepod. Et on commence par le homepod. Alors on commence, on, on commence très rapidement par le homepod parce qu'en en fait, euh, pour rappel, c'est l'enceinte intelligente qui embarque donc Siri qui est extrêmement tournée vers la diffusion de musique qui a été présenté lors de la WWDC de 2017 donc c'était le 5 juin de mémoire et qui devait être lancé pour la fin d'année 2017 et puis en novembre finalement on nous a dit désolé on avait tenu le calendrier à l'envers c'est pas possible donc en fait ça devait être pour le début d'année et maintenant paf paf on sait quand est le début d'année puisque aux États-Unis les précommandes commencent demain 26 janvier et les livraisons à partir du 9 février pour la coquette somme de 350 dollars. Voilà. voilà. Euh, sachant que en France, on me dit mais, mais quand donc oui. Quand donc la version française au printemps Pas de plus de précision pour l'instant. J'ai très vaguement cuisiné. Il n'avait pas un représentant d'Apple récemment mais et on m'a dit euh, au printemps. Je ne peux pas t'en dire plus. Donc, voilà. Donc, euh, c'est au printemps. Bon, en tout cas, ça, ça sera dans quelques semaines, visiblement. Voilà. On sait pourquoi il y a ce retard par rapport aux autres pays C'est un problème de traduction et d'optimisation de, de Siri pour le HomePod C'est les oreilles des Français qui ne sont pas exactement comme les oreilles. Non, oui, c'est ça. Un, <laughs> en fait, c'est juste un, 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 un problème. On a des oreilles à la Spock, c'est pour <laughs> voilà. ça. Un, en fait, c'est la nécessité. Est-ce que Siri est, on va dire, entraîné spécialement euh, pour certaines fonctionnalités du HomePod, certaines commandes, pour euh, aller, pour comprendre, par exemple, quand on dit euh, euh, joue euh, un Morceaux de Prince ou de Love Symbol, etc., il faut qu'ils comprennent que c'est la même personne. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est très compliqué. Et le français, on l'avait déjà vu d'ailleurs avec les, les produits de Google, euh, les, le, le français est une langue particulièrement complexe. Oui. Donc, un petit retard à l'allumage à cause de ça. Voilà, parce qu'il y a plein de sens. On a une langue qui peut avoir plein de sens différents pour un, un même mot selon le contexte. Et il faut que euh, Siri, en l'occurrence, soit. Capable de comprendre quel est le contexte, enfin euh, le mot dans son contexte. Ouais. C'est rigolo parce que en, finalement, avec ces, ces dates qui se précisent concernant le HomePod, on se rend compte que Apple et Amazon vont se tirer la bourre en France hein, puisque Alexa n'est pas encore sortie. Non, mais ne devrait euh, pas tarder. Et ne de, de, de devrait pas tarder. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec un printemps 2018 avec l'arrivée de deux assistants vocaux majeurs, hein, à la fois Alexa et HomePod On verra bien. Pour l'instant, Google Home a euh, la voie toute tracée, voilà. tout seul. Ça, 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 sachant qu'effectivement, euh, le, le, la vraie interrogation, c'est est-ce que Siri, euh, qui a quand même un léger retard par rapport à euh, Alexa, qu'on ne connaît pas encore en France, en français, donc c'est difficile de juger, mais par rapport à, à l'assistant de Google, on sent bien qu'il y, y a une fluidité, même si tout n'est pas parfait, hein, on, on le voit bien, des fois, il y a des, des, des incompréhensions euh, assez flagrantes, mais il y a une vraie, une vraie fluidité dans les interactions avec l'assistant de Google. On espère que ce sera la même chose avec Siri euh, sur le, le HomePod, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore complètement le cas. Quoi. En tout cas, sachez qu'en France, il hein, y a énormément de bêta-testeurs de HomePod hein, qui euh, font apprendre des choses à l'intelligence artificielle euh, du HomePod et de Siri. Bref, ça arrive toujours du côté d'Apple, la fameuse mise à jour iOS 11.3. Alors, ouais. elle n'est pas encore là, je crois qu'on hein, est à la 2.5 actuellement. C'est ça, on, euh, oui. Et 11 la, la, la 11.3 va, va arriver, on va dire, d'ici quelques semaines bah C'est pareil, annoncé pour euh, le printemps, donc euh, ouais. prochainement. Mais alors pourquoi on en parle de cette mise à jour aujourd'hui Alors, elle a été. Euh, parce que assez, on en parle parce qu'assez exceptionnellement, Apple a euh, communiqué en avance sur une euh, mise à jour qui, pour l'instant, n'est en bêta que pour les développeurs. Euh, C'est plutôt rare. C'est euh, même de mémoire, je dirais, euh, peut-être la première fois. Mm -hmm. euh, mais néanmoins, elle intègre beaucoup de choses très intéressantes euh, et qui pourraient changer euh, les, les, des usages, faciliter la, la vie des utilisateurs. Alors, je ne parle pas des nouveaux animojis euh, comme le dragon qui est super chouette, euh, mais je ne parlais pas de ça. Euh, par exemple, il va y avoir la possibilité euh, de sauvegarder euh, dans iCloud, de faire une sauvegarde dans iCloud de ses iMessage. Euh, ce qui veut dire que ça permettra de gagner beaucoup de place. Euh, sur, euh, sur son smartphone euh, et aussi euh, et surtout d'être sûr de ne pas les perdre euh, en cas de plantage euh, mmh. inopiné on va dire voilà donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose par ailleurs un peu plus anecdotique une, une introduction d'un un chat business dans iMessage qui rappelle un petit peu euh, les bots de Facebook Messenger je ne sais pas si vous, vous vous souvenez et puis et surtout pour tous les utilisateurs d'iPhone de l'iPhone 6 jusqu'au 7 ⁇ euh, de la fonction qui permet euh, de corriger le problème de bridage des iPhones à cause de la batterie. Donc, qui permettra d'afficher les informations et de déjà de savoir euh, où on est euh, oui, sa et batterie et puis batterie. dire non moi je préfère avoir ouais. plus de puissance euh, et pas de quitte à ce qu'il si, qu 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 p... voilà. en fait, qu puisse y avoir un petit problème voilà euh, donc ça ça sera aussi une des grosses nouveautés de cette mise à jour très rare de hein, bon. la part d'Apple d'offrir comme ça le choix est... à l'utilisateur mais est... Et en je fait je pense qu'ils doivent faire ça mais vraiment la mort dans l'âme parce qu'ils sont obligés c'est vrai que sont vraiment blindé cette ça avait un petit peu à l'encontre de leur, de leur oui, façon oui. de faire habituellement. Euh, mais c'est aussi là le problème, c'est qu'ils sont obligés de rattraper mais une oui. grosse boulette de communication euh, qu'ils ont fait. Qui avant, peut leur coûter cher et qui va sans doute leur coûter cher. Qui oui. risque de leur coûter cher parce oui. qu'effectivement les classes actions se multiplient. Il y en a aux États-Unis, euh, en France, c'est pas une classe action, mais il y a, des, il y a des, des, des attaques aussi en Italie, en Corée. Donc il y a plein de pays comme ça où ça se, commence à se mobiliser. Voilà. Euh, donc euh, effectivement, ils ont intérêt à corriger mmh. le tir. Et puis aussi dernière, euh, dernière, grosse nouveauté, alors qui va concerner plus les développeurs d'un premier temps euh, avec cette version, c'est l'arrivée d'AirKit euh, 1.5 euh, et on sait que AirKit c'est euh, tout ce qui permet de développer des applications en réalité augmentée sous iOS. Mmh. Et donc là, maintenant, par exemple, il y a la, la, la prise en, en compte euh, des surfaces planes verticales, ce qui veut dire qu'on pourra faire des choses oh, encore plus réalistes, voilà. plus perfectionnées. Euh, voilà. Donc c'est grosso modo la, 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 la sélection des. Est-ce que tu nous as parlé des petits animojis J'ai parlé du dragon. Ou... J'ai pas parlé de pas... la petite tête de mort qui est rigolote. Il y, aucune... y a le lion qui est très très mignon. Le lion aussi. A très, très et, très un, mignon. et un ours euh, un petit peu chafouin quand vous l'êtes aussi, qui est chouette. <laughs> voilà. voilà. ça c'est des animojis les... qui savent à rien, appelons-le. Ou enfin très peu. Envoyer des messages. Voilà. Voilà. Alors, on voit... Alors, tu tu m'as envoyé <laughs> tout à l'heure le, le dragon, qui est quand même une particularité qui fait. Voilà, il, il belle. Je, ça, je, je, bah, je, je, je comprends pas. j'ai jamais croisé de dragon entre ici et chez moi, donc ai, je me suis dit, peut-être qu'il fait ça, voilà. Très bien. Dernière rumeur, euh, cette fois-ci qui va faire peut-être plaisir ou pas plaisir aux fans de MacBook Air. Il faut savoir que le MacBook Air, c'est un peu le parent pauvre d'Apple depuis. C'est un peu le vilain petit canard depuis pas mal d'années. Pourtant, c'est un, un ordinateur qui a énormément de succès, bah, qui a un, un excellent rapport qualité-prix et une très bonne endurance aussi. Et une très bonne endurance ouais. aussi, très fin, très beau. Euh, enfin voilà. Ouais. Euh, mais il n'a plus été mis à jour depuis. Une bah, en fait, Alors, il, il a été mis à jour en juin dernier. Euh, avec ça, en fait, c'était voilà, voilà, si voilà, ils ont adopté la dernière génération voilà. de processeur. Mais mais en revanche, vous, rien n'a été changé. mais L'écran est toujours enfin. Et il n'est plus dans les standards actuels de la, non, non, de la qualité Apple. Non, enfin, l'écran du 13 pouces, euh, on ne va pas dire qu'il fait mal aux yeux, parce que ce serait un peu du snobisme. Mais, mais il, loin, est, il est clairement pas est au pas niveau. Retina, enfin. Il est clairement pas au niveau des écrans Retina. Euh, on va dire que en 2018 ou même en 2017, voire euh, la dernière mise à jour, c'était donc 2015, la génération précédente. Déjà, on se disait c'est un petit peu juste, il faudrait faire un effort. Donc clairement, c'est un ordinateur. Qui, euh, à cause de son écran, n'a plus vraiment sa place. Or, et qui est toujours vendu. Et qui est toujours vendu. Il est ouais. toujours vendu. Le 13 pouces est toujours vendu. Euh, et d'ailleurs, euh, il est vendu en, en entrée de gamme des portables Apple, vu qu'il euh, y en a un prix d'entrée à 1099 euros. Comparé aux 1500 du MacBook 12 pouces, Retina, lui aussi, ouais. enfin lui, pour le coup, mais voilà, il y a une belle différence, ce qui explique donc son succès, comme on le disait. Or là, euh, en, le, selon le, le, le journal en ligne euh, Digitimes, qui est. Euh, un journal asiatique généralement très bien connecté aux chaînes de production oui. et aux fournisseurs d'Apple notamment. Euh, il est question qu'un des fournisseurs des dalles d'Apple euh, ait euh, communiqué sur le fait qu'il va vendre beaucoup plus de dalles parce qu'Apple est en train de travailler à un MacBook 13 pouces d'entrée de gamme. Alors, MacBook, bon ok, très bien. Euh, 13 pouces, bonne nouvelle, on va avoir une dalle plus grande. Euh, Vous qu'aujourd'hui c'est 1500 euros. Si on veut prendre l'entrée le... Le, 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 de gamme, la... le 1499 pour l'entrée de gamme du, de, qui a un Core M3, je crois, de mémoire. Donc l'idée, ça serait d'avoir un truc sans doute moins spéqué, mais euh, aux alentours peut-être des 1000 bah, euros ou, ou quelque chose ou, comme ça Ou, ou, spéqu... remplacer ou, le Mac ou spéqué de la même le... manière. Alors, en fait, la grande question, c'est que sur quoi ils vont renier oui pour justifier que c'est un entrée de gamme avec un écran plus grand. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont redéfinir toute la gamme euh, du MacBook mmh. en la glissant en entrée de gamme Parce que c'est vrai que, mine de rien, on a quand même le MacBook Pro qui est aussi un ultra portable en 13 pouces qui, euh, qui occupe une, une gamme un peu plus haute. Donc, est-ce que c'est -ce est cette solution-là qu'ils vont choisir Je ne sais pas. Mais en tout cas, on aurait donc un MacBook... 13 pouces avec une dalle plus grande. On peut espérer rétina parce qu'en 2018, de lancer une dalle non rétina ça serait quand même ouais. presque du foutage de gueule. Et donc, euh, bon, avec, bon, une, non, bonne un côté, pas avec une bonne autonomie, <laughs> voilà, avec une bonne autonomie, et le, quand même, un peu le, on va dire un le, peu le, le confort moderne euh, ouais. qu'on attend du MacBook Air et qu'on n'a pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont tuer le MacBook Air quand ils en seront produits il y a des chances, mais en même temps, comme on le disait, c'est un produit qui est oui, un petit qui renaîtra peu... renaîtra euh... sous une autre appellation. Oui, voilà, oui. c'est. Enfin, euh, même si on, est, on, est, on l'a vu d'ailleurs mm -hmm. avec les iPads, l'appellation R n'a plus vraiment de pertinence parce que euh, bah, le MacBook est plus, plus ultra-portable. Même le MacBook Pro mm -hmm. est à peu près dans la même euh, gamme de dimensions-poids. Donc, euh, cette appellation R n'a plus vraiment de sens, même pour les MacBooks. Donc, c'est vrai que ça serait logique de passer à une étape suivante. Voilà. Bon. Merci Tu restes avec nous Il n'y a pas que le Macbook Qui ne manque pas d'air Il y a aussi le Mavic <laughs> De DJI ouais. Ouh là, là. Oui ça c'était Le deuxième titre d'actualité De ce jeudi soir Et oui euh, Il y a DJI Qui a annoncé cette semaine il y a quelques jours à peine, un nouveau drone. Alors, je ne sais pas si tu es un fan de drones. Moi, c'est le type d'objet qui me fait rêver, mais je me dis, bon, ok, ça me fait rêver, mais quand est-ce que je m'en servirai euh, sur, la, sur la terrasse de mon appartement Pour, pour voir bon, si les enfants dorment. Ce n'est pas non. possible. Voilà, à quoi ça sert, en fait Mais c'est vrai que technologiquement, c'est assez impressionnant. D'autant que celui-ci, le Mavic Air, qui a été annoncé, est vraiment impressionnant. C'est pas un jouet, mais il a la non. taille d'un jouet. Finalement, quand il est replié, ouais. il est à peine plus gros qu'un smartphone. Voilà, En, en fait, euh, pour, enfin, si on prend un, un, un iPhone, avec, euh, enfin, une iPhone 10 ou un, un smartphone en général ouais. avec une diagonale de entre 5,5 et, et, et 6 pouces, pouces quoi, quoi, ouais. euh, le, 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 le drone est à peu près la même taille. Bien sûr, il est plus épais, ça va sans dire. Hein, C'est est plus lourd, hein on a 430 grammes hein, pour ce drone-là. Mais malgré tout, il a des specs, euh, on va ouais. dire audio et vidéo assez impressionnantes. Vous ouais, voyez le en 4K, capteur, 30 images/seconde, euh, euh, 1080p. Là, il monte vraiment. On peut faire il des il peut des... même faire des ralentis. Ouais, des ralentis, ralentis en 120 ouais. images/seconde. Et puis, il a euh... tout un tout un système de, on va dire, de capteur qui fait qu'il va obéir, tout comme le Mavic Pro, à la gestuelle, c'est-à-dire ouais. que vous allez le lancer. Et il y a un mode, on va dire débutant, et simplement en faisant des gestes, et eh bien, il va euh, comprendre ce que vous voulez. Il peut vous suivre parce qu'il ouais. va vous détecter. Euh... sachant y a, alors c'est vrai que c'est une fonction qui est plutôt rigolote mais euh, il y a une limite de portée qui est y a une limite de 6 mètres oui. au delà de 6 mètres euh, vous oui, pourrez secouer les fait. bras dans tous les sens euh, oui. il ne se passera plus rien donc c'est vrai que par exemple pour euh, initier un décollage euh, ou euh, faire quelques, peut -être, peut -être quelques figures ça peut être sympa euh, en revanche ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'il y a des nouvelles euh, fonctions de caméra intelligente c'est à dire euh, qui des un tracking du, du personne, euh, un suivi oui. de la personne qui est filmée où euh, il y a des des, des plans de vol entre guillemets qui sont préprogrammés euh, où on peut faire alors, il en il y en existait déjà pour, pour le mmh. Mavic Pro mais là il y en a deux nouveaux de plus je crois euh, et qui permettent par exemple de euh, faire tourner euh, autour de la personne qui est filmée le drone le faire reculer puis prendre une vue générale enfin voilà il y a, il y a différents différents plans de vol comme ça qui permettent d'avoir un rendu professionnel et ouais. filmé euh, on peut tout à fait imaginer enfin nous en tant que journalistes qui parfois nous filmons dans des situations un peu bizarres on peut très bien imaginer une présentation de produit on marche, le drone nous suit, fait oui. des plans, etc. Enfin, en fait, ça devient un caméraman, pratiquement. Ouais, tout à fait. On n'aura plus besoin de JD, de Pierre ou de Thomas. C'est ça qui Mais est cool. aussi. Il <laughs> ne fait pas de jeu de mots. Merci Pierre, c'était sympa de venir. <laughs> hein. On va l'appeler DJI maintenant, Pierre. Euh, il faut savoir qu'il résiste à des pointes de vent jusqu'à 36 km Ouais. Ce qui est pas mal, donc il arrive quand même, malgré tout, à se stabiliser même quand Parce il y a un il peu de il vent. Fait, il pèse 420 4, grammes. Quelque voilà, 436. 436. Ouais. Et euh, il peut tutoyer les 70 km/h en vitesse de pointe, ce, ouais, qui, ce est... qui est plus rapide que le Pro. Incroyable. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit drone qui a l'air très sympathique. Autant vous dire qu'on l'attend avec énormément d'impatience ici, c'est la rédaction de Zéronette au labo, et évidemment vous aurez le test complet de ce Mavic Air ouais. très excusez, prochainement, ai... qui sort là dans les jours qui viennent. J'ai hein. plus le prix en tête, mais euh, sachant que le Mavic Pro a été lancé à 1200 et celui-ci est autour de 600 700, ça, alors, hein il coûte 849 euros. 849 mais, Ah oui, c'est ça, 849. Mais il y a un pack avec plus il y a de batterie qui est à 1049, 1049 c'est ça où oui. Il y a quelques accessoires supplémentaires. Donc, c est, c est, il, y a, voilà, il y a quand même un, voilà. un travail sur le prix qui est intéressant aussi. Alors, on... il est plus cher que le Spark qui, lui, est à 500 Oui, mais qui est dans, dans, une, autre, dans, une, dans une autre gamme. Ouais. Voilà, le Mavic Air, donc euh, très bientôt ici le test. Merci Pierre. Mais de rien. Euh, on revient dans un instant avec le Zoom Actu de Noémie. On va parler de Bitcoin et de crypto-monnaie. Et puis, juste après, ce sera le labo avec Raphaël Grabi qui est venu avec deux smartphones à tout de suite. Un petit détour par notre question 01net Orange de ce jeudi soir. N'hésitez pas à participer en fait au sondage que nous vous proposons euh, chaque jeudi soir. Cette semaine, on parle des assistants vocaux. On l'évoquait tout à l'heure avec le HomePod, donc euh, d'Apple, qui sortira si tout va bien au printemps prochain. Possédez-vous donc un assistant vocal à la maison Eh bien voilà le résultat non, 55 J'y réfléchis, 31 et à peine 14 de oui. Enfin à peine. Cela dit. Pas mal finalement, ça veut dire que 14% d'entre vous ont investi euh, dans le Google Home, puisque aujourd'hui, hein, c'est le seul qui est disponible, hein, le Google Home en version française. On attend toujours, on le disait tout à l'heure avec Pierre, euh, le Amazon Alexa et le HomePod d'Apple. Voilà, www.0nettv.com si vous voulez participer à notre question 0Net Orange. Il est temps de retrouver le Zoom Actu maintenant avec Noémie lefebvre avec Bonjour Noémie. Bonjour François. Ça va t es, t es, t es, Tu ne te sens pas toute seule sans Jérôme Mais si, je suis tellement triste. Ben voilà, Jérôme où es-tu Jérôme où est tu Mais Jérôme <laughs> revient la semaine prochaine. Euh, ne vous inquiétez pas. Alors on va parler du Bitcoin qui commence, Noémie, à agacer sérieusement les constructeurs de cartes graphiques. Vous savez, les crypto-monnaies, on le sait, sont de plus en plus dans le collimateur des autorités. C'est vrai que c'est un truc un peu chelou hein, quand même. On se souvient de l'avertissement de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers. Euh, et là, c'est un constructeur bien connu qui s'agace, qui au départ n'a pratiquement rien à voir avec les Bitcoins finalement. Hein. C'est Nvidia. Qu'est-ce qui se passe, Noémie, exactement Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé euh, ce sujet. Alors, je, je, juste pour le dire, il y a un article très détaillé d'Emeric Siméon hein, sur 01 netcom En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, on le sait, hein, depuis quelques semaines, c'est la flambée, c'est la ruée sur les euh, monnaies cryptées. Tout le monde y voit un, un moyen de se faire beaucoup d'argent euh, assez facilement. Attention, d'ailleurs, hein, attention. Ouais, exactement, attention. des hein, expériences pro euh, proches de Mais moi qui se sont fait arnaquer. Ouais, ouais. Exactement. Et en fait, euh, bah, il y a aussi un phénomène, c'est qu'il y a des gens qui, euh, bon, on peut se faire de l'argent en faisant de la spéculation, mais aussi en minant euh, ces crypto cryptomonnaies, en essayant d'extraire euh, les crypto monnaies Et en fait, pour miner ces cr cryptomonnaies, le Bitcoin, les Terres, il y en a plein, euh, il faut une grosse puissance de calcul. Euh, Thomas, le réalisateur, ce soir, va pouvoir vous montrer en fait comment ça comment ça se passe. Adrien euh, Branco avait pris une photo au Computex là, donc c'est ce qu'on voit. Là, ce sont plusieurs cartes graphiques qui sont reliées à une plateforme de, 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 de mining et en fait les mineurs se jettent en fait sur, ces, euh, sur les cartes graphiques euh, bah sur les meilleures cartes graphiques celles qu'on retrouve dans les, dans les PC de gaming haut de gamme ouais. notamment il mmh. euh, y a aussi des sociétés qui se sont créées pour pouvoir miner euh, du, du bitcoin notamment des fermes de minage et euh, eux euh, bah, euh, ils font appel à Emeric Siméon, on parle dans son papier il cite un, un patron d'une ferme de minage qui, euh, qui loue des avions carrément pour acheminer euh, des, des, pas des centaines mais des milliers de cartes graphiques. Parce que quand tu quand tu parles de minage, en fait, ouais. ça veut dire qu'on va créer un bitcoin, ouais, pour et créer, et créer de la de monnaie. Bah ça coûte. En fait, quand on crée un bitcoin, ça, ça représente le coût d'un bitcoin, quoi. Donc c'est plusieurs milliers de dollars. C'est plusieurs, ça, hein exactement. Voilà, c'est-à-dire la... dit miner, c'est ça. Voilà. Hein. C'est en fait euh, creuser pour essayer d'en trouver un de bitcoin. Exactement, et d'en de, de, créer. Euh, et du coup, bah euh, comme les mineurs se jettent sur les meilleures cartes graphiques, c'est très simple. Et ben il y a des problèmes d'approvisionnement. Euh, mmh. Le flux de production est plus que tendu. il y a des délais là où on commence à constater des délais de livraison euh, très importants, plus de 15 jours, même plusieurs euh, semaines sur des cartes Nvidia. AMD. Euh, en France, euh, on a vu des délais encore plus longs que ça. Euh, les, les, les constructeurs, en fait, n'ont pas les capacités de production suffisantes, et donc conséquence bien naturelle, ben, quand euh, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Là, il y a certaines cartes qui ont pris euh, sur le neuf 20, 25 et sur le marché sur, secondaire, sur les cartes d'occasion, ben, il y a des cartes d'occasion maintenant qui valent plus cher que des cartes neuves. Mais la conséquence, c'est que les constructeurs devraient être ravis, Noélie. bah On pourrait croire effectivement que euh, pour eux, bah, ils, font ils, plus de ils font plus de beurre, mais en fait, ce n'est pas tellement le cas. Le responsable des relations publiques d'NVIDIA s'est exprimé là récemment. En gros, ce qu'il souhaite, c'est que, que les distributeurs mettent la priorité sur les gamers. Les, les cartes graphiques, euh, dit-il, sont pensées pour les gamers. Il souhaiterait donc que la priorité soit mise sur les gamers. Alors, c'est bien beau hein, tout ça, mais comment. Les constructeurs peuvent contrôler en fait qui va acheter euh, cette carte graphique bah C'est bien le problème en fait, c'est un peu compliqué puisque euh, évidemment euh, Nvidia qui conçoit les cartes euh, pas ne sait pas qui va, acheter, bah euh, qui va acheter ces cartes. Donc ils sont mis euh, d'accord avec des distributeurs qui euh, commencent à proposer de limiter le nombre de cartes graphiques qu'un seul utilisateur peut acheter. Euh, mais en fait on, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à faire et ce problème en fait est, est super inquiétant sur le plus long terme. C'est que ben, est-ce que en 2018, ces problèmes d'inflation, ces problèmes de prix qui montent sur euh, les composants vont pas faire euh, monter le prix des machines. Et euh, en gros, ce qu'on craint, c'est que bah, d'un côté, on a des mineurs qui se font beaucoup d'argent en, euh, en minant des crypto-monnaies, sur le dos finalement des consommateurs qui, eux, vont devoir payer pour avoir un matériel euh, constant. Incroyable, incroyable cette histoire. Inquiétant, incroyable, à suivre en 2018. Mais c est, c est, ça, ça prouve aussi le, 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 la force de NVIDIA qui aujourd'hui fait des cartes qui ont tellement de puissance mmh. que les constructeurs automobiles se les arrachent pour les mettre dans les, dans véhicules, les, autos, ouais. les véhicules autonomes. Mmh. Et maintenant, vous avez donc euh, bah, toutes ces crypto-monnaies mmh. et tout, toutes ces personnes qui veulent faire ce business, qui veulent ces cartes. Et on n'a pas fini d'entendre parler. Ouais. Sujet passionnant. Tout à fait. C'est vrai. Merci. À beaucoup. retrouver sur 01net.com, dans voilà, le papier de qui a creusé pour nous, non pas pour <laughs> trouver des bitcoins, mais pour trouver l'info. Merci, Noémie. Merci, François. C'était Zoom Actu, 18h23, toujours en direct sur 01nettv.com. Et euh, Raphaël Grabi nous rejoint pour le labo. Le Labo 01 Net avec Raphaël Grabli. Salut, raphaël. Salut, François. Ravi de te retrouver. Bah oui, c'est marrant de se retrouver tous les deux ici. Mais bien <laughs> sûr. c'est savez, Raphaël, j'ai le plaisir de le retrouver tous les euh, samedis matins sur RMC entre 9h et 10h pour la vie numérique. Alors, c'est à la radio. c'est pas filmé, mais on parle avec Voilà, de high tech euh, et de sujets liés à tout ce qui touche à notre vie numérique. Je vous le conseille d'ailleurs. Hein, si vous ne connaissez pas ce rendez-vous, c'est tous les... Uh, samedi matin de 9h à 10h sur RMC en direct. Ouais. Et là, on va parler donc euh, de toute autre chose. De deux smartphones que la rédaction et le labo ont testés. Ouais. Euh, deux smartphones qui ont un rapport. C'est que finalement, tous les deux Ça, viennent oui. de la même marque, voilà, du même de, constructeur. C'est Huawei, c'est Honor. Alors le Honor View 10, c'est le premier smartphone en fait haut de gamme au format 18 9 ème de Honor. Donc pour rappel, Honor c'est un peu la marque euh, jeune entre guillemets de Huawei. En gros c'est surtout une marque un petit peu moins chère, euh, mais on retrouve pas mal mais des qui specs qui s'adressent aux geeks en fait. Un peu aux geeks, c'est-à-dire qu'en fait on peut les trouver. Alors à l'origine en fait on les trouvait surtout en ligne, mais maintenant finalement ils commencent à être distribués, c'est en train de se normaliser presque comme marque. Et donc là ce View 10, euh, alors je le montre, voilà on a des images euh, qui passent. En fait c'est vraiment le concurrent euh, du One Plus. 5T c'est-à-dire c'est-à-dire parce que je cherche le code en <laughs> voilà euh, c'est-à-dire un écran bord à bord 6 pouces donc assez grand format euh, une puce puissante, en fait, euh, c'est le Kirin 970 avec 6 Go de mémoire vive. Donc ah c'est ouais, la même configuration. Il est bien costaud. Oui, ouais. alors c'est en fait c'est la configuration du Mate 10 Pro quand même, hein, qui est un smartphone à euh, 700 et quelques. Ah là. ouais. Donc euh, bon alors celui-là coûte 500, 499. Donc le même prix que le OnePlus 5T en version 64 Go. Mm -hmm. Par contre celui-là il a 128 Go. Donc il y a même un peu plus de stockage qui est pas négligeable. Maintenant quand on filme en 4K. Il y a une bataille euh, là. Alors là sur... non non mais c'est pour ça que finalement dingue. je, je t'ai amené trois smartphones ah et oui, trois, voilà justement parce qu'il y a une grosse bataille sur le Bord à bord à 499 euros, c'est assez... vraiment, on va dire, déjà un prix conséquent. Exactement. Là, les constructeurs donnent tout, quoi. Mais exactement. A... En fait, on a quasiment le haut de gamme il y a quelques mois. Ouais. Euh, et alors, moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé euh, ce Honor View 10, c'est qu'il y a un petit truc. Si on regarde en façade, malgré ce format 18/19e, on arrive à voir le bouton principal physique devant. Et en fait, c'est le seul <laughs> euh, en France, en tout cas, c'est le seul qui a ça. Et ça permet euh, bah, d'avoir hein, le bouton, hein, quand le même bouton bois, qui est hein. assez fin, mais à utiliser, franchement, c'est nickel. Coup, a, ton oh, doigt, tu poses ton doigt, il n'y a aucun oui. problème. Capteur d'empreinte, du coup, à l'avant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, euh, qui aiment avoir le capteur d'empreinte à l'avant, même s'il y a de la reconnaissance faciale en plus, qui fonctionne assez bien en plus. Euh, et surtout, il y a un système de, de raccourci euh, qu'on avait déjà vu hein, sur le P10, moi, qui me plaît beaucoup. Alors là, on le voit à l'image. Par exemple, si, on, voilà, si tu dézooms un petit peu, en fait, en appuyant une fois, ça fait office... Euh, de bouton retour, c'est-à-dire qu'on peut se servir d'un seul bouton, et si on appuie un peu plus longuement, ah, ça fait bouton home directement. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient très facilement utilisable à une main, et en plus, comme tu as un espèce de format 18 e panoramique, ouais. on peut l'utiliser facilement à une main. Donc c'est le seul où on peut avoir cette, cette alliance entre. Il n'y avait ce... pas ça sur le Huawei, sur le Mate 10 Pro aussi. Alors sur le Mate 10 Pro, tu l'as euh, Non, tu l'as pas parce que le bouton euh, principal est virtuel. Ah, Donc tu l'as ouais. pas comme ça. Ils ont mis une espèce de mmh. bouton virtuel, mais ça marche. Enfin, moi, ça m'a pas tellement plu. Euh, voilà. Donc c'est vraiment une offre très Intéressante. En plus, il est endurant, il a une bonne qualité photo. Donc, vrai coup de cœur. Euh, voilà, gros rival du OnePlus 5T. On est en dessous des 500 euros. Hein. 499 euros. Donc, ça va se jouer Voilà, entre ça et le OnePlus 5T. Voilà, c'est On va. pas terminé. Alors, c'est ce pas terminé. deux autres compétiteurs. là. Alors, j'ai deux autres. Alors, en fait, l'autre, entre les deux, je vais faire un petit teasing. Comme on ouais. parlait des bords à bord à 499 euros, évidemment, il bah, y a Samsung hein, qui est arrivé dans la danse. Alors j'essaie aussi de le déverrouiller, reconnaissance faciale d'ailleurs aussi. Alors là c'est bon, un a teasing. L a l de marcher, hein. Parce qu'il a vite déverrouillé. Voilà, oui oui ça fonctionne très bien. Alors là c'est vraiment un teasing parce qu'on l'a reçu, on est en train de le tester. Le test va arriver avec la vidéo en tout début de semaine prochaine. Ça aussi c'est 499 euros et c'est du bord à bord du 18e etc. C'est un espèce de mini s suite. Voilà un petit teasing pour dire à quel point euh, là en ce début d'année la bataille sur les moins de 500 euros c'est euh, impressionnant et puis surtout il y a une offre qui est quand même assez assez euh, qualitative, enfin même vraiment qualitative. Et alors dernier euh, dernier smartphone, c'est le euh, Huawei Mate 10 Lite. Alors là, on parlait du Mate 10 Pro, donc là c'est une version plus légère, oui. c'est un peu moins cher, hein, c'est 349 euros. Donc là encore, on a un écran bord à bord, 18 e donc euh, le bord à bord, on en a euh, partout maintenant. 5,9 pouces, donc un grand format. Euh, on va dire pourquoi il est un peu moins cher, principalement sur le processeur. Kirin 659, donc c'est un processeur surtout qui a une puce graphique un peu moins euh, puissante, donc sur les jeux vidéo, on ne pourra pas avoir des détails, etc., aussi, euh, aussi important. Euh, autonomie mesurée un peu moins bonne que les autres aussi, mais ça reste un bon smartphone. Et alors, pourquoi on parlait de Huawei et Honor, justement Là, on est 100% dans la, dans la marque, parce qu'en fait, ce smartphone, 349 euros, c'est le même que le Honor 7X. Ils vont juste donner un autre nom. Donc, le Honor 7X... C'est un peu pour les geeks ouais. qui vont chercher un peu, un peu plus. Et d'ailleurs, on a intérêt à les chercher parce que l'Honor 7X, il a, 300, il a 299 euros. Ouais, donc, donc, il a 50 euros de moins. Voilà. Mais et juste pour le avoir. C'est le même. Le même voilà. Sauf qu'on n'a pas Huawei. On n'a pas Huawei. Alors dessus. que celui-là, on l'aura peut-être chez son opérateur. Donc, on ouais. l'aura peut-être, chez pas, un euro avec un forfait et tout. Donc, ça peut quand même valoir le coup. Mais voilà, pour les gens qui s'intéressent un peu de près à ces smartphones, évidemment, les marques, elles aiment bien décliner sous d'autres noms euh, commerciaux euh, leur appareil. Mais bon, c'est un smartphone très solide et, euh, et très. Très agréable à utiliser aussi, un peu moins cher que les deux autres, 350. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien le. Je trouve que le Honor est plutôt joli. En plus, c'est ce très est... sympa. Ouais. Et il a l'air méga fin. enfin je trouve Il est il assez est... fin. En euh... tout cas, le, le design fait en Alors... sorte qu'on a l'impression qu'il est plus Alors... fin que ses concurrents. Oui, je crois qu'il est en dessous des, des 7 mm. Ouais. Donc, effectivement, il est assez fin. Après, il y a une petite combine quand même. Hein. C'est que si on regarde euh, ouais. le module photo. Déborde. Les, voilà, sûr. évidemment, ça déborde. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun ouais, souci. Hein, c'est pas du tout. Euh, mais sûr. voilà. Donc, c'est fin parce que ça englobe pas le module photo. Mais oui, le, le vieux 10, moi, si je devais conseiller vraiment un smartphone à moins de 500 euros. Euh, entre le vieux 10 et le OnePlus 5T, euh, j'aurais du mal à choisir si ce n'est que le OnePlus 5T a un écran AMOLED ouais. donc, euh, qui, oui, pète un plus, qui pète un peu plus, mais celui-là a plus de stockage. Donc voilà, c'est selon ses besoins. Très bien, sur Twitter, qu'on nous dit bah, voilà, le vol de données est inclus dans le prix de ces smartphones chinois, c'est souvent le cas. Bon, c'est peut-être ah, un, un, un vrai, débat oui, un, euh, euh, un peu trop facile. Un, mais... un, un peu facile, mais c'est vrai que mais euh, la personne qui écrit ça a raison. C'est-à-dire que dans le sens où les gens maintenant se préoccupent beaucoup de leurs données, on a eu mmh. aussi le cas OnePlus où il y a eu des données qui partaient en Chine. Euh, Huawei, on sait qu'il y a des gouvernements qui ne veulent pas les ça, acheter, donc oui, sûr. non, mais ouais, c'est vrai. Euh, après, il faut, il faut choisir. Euh, il C'est voilà. clair. Euh, on a Lucien aussi qui nous dit moi, je préfère le capteur d'empreinte à l'avant aussi du téléphone. Bah voilà. vrai que... Moi aussi, c'est pour ça que le vue si chose... il a un avantage. Euh... Ouais. C'est assez, assez important, mais euh, voilà. Dernière chose, euh, bientôt le Mobile World Congress. Oui. Raph, tu y seras bien On sûr, y sera, oui. bien sûr, Zéronet TV. Raph sera là. On vous prépare évidemment des, de très belles émissions live depuis Barcelone, comme chaque année. Ce sera pour les deux premiers jours hein, du oui. Mobile World Congress. C'est lundi et mardi. Ce sera à 13h. Et à cette occasion, on attend la star de l'année. Bah, le Galaxy le S9. Galaxy S9. Et... Ça y est, c'est confirmé. Oui. Il sera annoncé dimanche, au Mobile World Congress. Euh, hein. Dimanche 25, donc voilà. la veille de l'ouverture, évidemment, on y sera. Euh, on sortira la petite prise en main qui va bien etc mais oui et euh, alors on n'a pas l'heure officielle mais bon je dirais 18h par là en général ils font en fin de journée leur conférence euh, donc voilà dimanche voilà. en fin de journée réservez le 9 réservez votre dimanche soir ouais. hein, et parce que ça va être chaud là ça va ça être, va être très, très là c'est vraiment la star qui ouais. arrive et puis il y a plein d'interrogations hein, concernant ce Galaxy S9 est-ce qu'il va copier le Face ID d'Apple ouais. est-ce qu'on voilà qu'est-ce que Bon, c'est pas trop. Donc Est ce qui va être très cher ou très très cher, la question aussi. <laughs> Il sera très très cher. Il sera très très cher. Ça c'est clair. Merci Raf. Merci à toi François. De la rédaction de 0 et on se retrouve donc sur RMC euh, samedi à partir Avec de 9h pour la vie numérique. Euh, ce Zéro en Live est terminé. Petit détour par la question Zéro en Lettre Orange, les amis, avant de se dire au revoir. La question qu'on vous pose depuis tout à l'heure, depuis 18h. Possédez-vous un assistant vocal à la maison Vous savez, c'est Google Home, c'est Amazon Alexa, c'est HomePod. Alors, même si euh, certains ne sont pas sortis, le Google Home, lui, est disponible. Euh, non, 57%. Ah, l'écart euh, eh de, devient de plus, important, de plus en plus important. J'y réfléchis. Euh, on est à 20% et 17% pour Oui26, pardon. Et parce que moi, l'écran est loin d'ici, loin de mes yeux. 26 et 17, donc euh, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à voter www.0nettv.com. Ce 01 Live est terminé. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct et merci à vous qui nous regardez aussi en replay, à la fois sur YouTube ou sur 0 Tiens, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker la page de 0 TV sur YouTube et à vous abonner pour être au courant de toutes nos vidéos. Passez une très belle soirée et Jérôme sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine. À très vite.